Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis d'Halloween sur Fortnite. Alors le premier défi est de devenir une ombre. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer une partie en solo, duo ou section de Fortnite Mare. Et là, vous aurez un mode spécial. Et pour devenir une ombre, eh bien en fait, il faut tout simplement mourir pendant une game. Et là, vous allez voir, vous allez vous transformer en ombre. De toute façon, vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, quand vous êtes une ombre, ce que vous pouvez faire, c'est attaquer l'ennemi en étant une ombre. Vous pouvez faire des grands sauts. Vous pouvez courir plus vite. Et vous pouvez faire une vision qui va faire en sorte que vous voyez l'ennemi à distance et même à travers les murs. Enfin bref, ce que vous devez faire pour réaliser le défi, c'est de vous transformer 3 fois en ombre. Donc vous mourrez 3 fois dans 3 parties différentes par exemple. Et comme ça, ben, vous aurez terminé votre défi. Le deuxième défi est de parcourir 100 mètres sur un balai de sorcière. Alors les balais de sorcière, vous pouvez sûrement en trouver partout, mais je vais vous en montrer un emplacement où il y en aura toujours un. Alors cet emplacement, c'est au-dessus de l'Azy Lake, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, donc rendez-vous à cet endroit-là. Et là, dans ce tonneau, vous avez juste à appuyer sur carré pour faire apparaître un balai. Donc parfois il y en a 2, parfois il y en a 3, là j'en ai eu qu'un seul, donc voilà, de toute façon c'est suffisant. Mais ce balai, en fait, va se mettre dans votre inventaire, donc vous devez tout simplement aller sur votre inventaire, choisir le balai et ensuite appuyer sur la touche action, donc la touche tirer pour vous décoller, comme ça il va s'envoler et ensuite vous allez planer avec le balai de sorcière. Et là vous devez planer sur 100 mètres de distance pour valider ce défi. Le troisième défi est de manger des bonbons. Alors vous allez devoir manger 25 bonbons et ces bonbons vous allez les trouver aux entrées des maisons qu'il y a par exemple à Salty Spring comme vous pouvez le voir dans le gameplay ou à Retiro ou à l'Azy Lake, etc., etc. Devant les maisons logiquement ou devant les bâtiments il y aura toujours des petits seaux de bonbons. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement casser le seau et ensuite vous allez pouvoir récupérer des bonbons. À ce moment là il y aura des bonbons de différentes couleurs et c'est un peu comme les poissons. Il y a des bonbons qui donnent de la vie, il y a des bonbons qui donnent du shield. Il y a des bonbons qui vont vous faire aller plus vite et il y a des bonbons qui vont vous faire marcher en apesanteur et même voir en noir et blanc. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement manger 25 bonbons en autant de parties que vous voulez et ensuite vous aurez terminé votre défi. Et voilà qui termine les 3 premiers défis d'Halloween de Fortnite. Les autres défis sortiront dans 3 jours puis dans 6 jours et bien entendu je vous ferai une vidéo dès que les défis sortiront. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.